Jodi a se lundi, 10 oktob, mwen konta pou mwen seman vek ou zanmim pou nou kapap poswiv. Awek bel etude nou a fey tout okout semen nan. E pa abliye, semen sa nou nan leson nimeyo 3, komprend la natyur ymen. Ben avan menm ki nou entren nan devlopan etude kwen dewa jodi a, an nou priye bon diyo. Papa nou ki nan siel la, nou fey louanj pou ou paskou din de sa. Mersi paske chak yo ou fey plan. à travers parole pour que pour que capables capable de nourrir nous pour que spirituellement on capable de être en bonne santé. Je dis encore nous présent dans le même objectif là pour nous approfondir connaissance nous dans la parole pour nous capable de nourrir à travers parole ça yo. Que nourrir spirituel ça yon, capable aider nous pour que nous capable de vraiment en bonne santé sur le plan spirituel afin que des formations qui ennemi les de faits des paroles nous capable discerner nous va pleinement comprendre parole et mettre en application. Nou priyo konsan nanon Jezu. Amen. Mwen remen chouzan mim pou efor ki ou men mwen rive fe chak jou pou kapab etudye le son ekol du sabat an sou tan difisil. Men pa blye chak pou fin etudye mwen toujou pou ap lezyer, ankouraje ou pou patanje etudye sa vek an tou rajou pou fasilite plus moun rive etudye le son ekol du sabat. Sou bat kwa abone mamzou e kou evite al fe sa e ankouraje lot moun tou fe menm jan ansama vek ou. Leçon ce maintenant nous connaissons déjà, c'est leçon 3, comprendre la nature humaine. Verset à mémoriser. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussée de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussée de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 1, chapitre 2, verset 7, qui ces versets nous viennent pour nous mémoriser nan kade etude semen sa. Jodia ki se lundi, 10 oktob, nou wale ansam, l'am ki pech, se sel ki mouwa. L'am ki pech, se sel ki mouwa. Pou nou byen kompren etude jodia, nou genye de teks ki nou pral li, avèk an pi l'atansyon ki pral edi nou kompren. Tek sa osi, esek el chapitou 18, versen 4, versen 20, epi mantye chapitou 10, Verset 28, nous allons regarder comment verset ça est capable d'aider nous à comprendre, ça nous relève la nature, eh bien, la nature de l'âme humaine. Là, on parle de âme, dans le langage que là, là, dit nom. nous allons regarder qui ça, ça veut dire, ok? Nous allons regarder ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Et je dis à nos a un texte ancien et un texte nouveau testament. Mais on va lire pendant toute semaine non? ces textes Ancien Testament, c'est ce qu'on plus Chita, pour nous comprendre et toute semaine. On va dans Ézéchiel 18, verset 4 et verset 20, qui ça dit. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le père ne portera pas l'iniquité de, de de son fils. L'injustice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Eh bien, si nous essayons de bien comprendre deux textes à yo, nou pa pou e amenan kwa mitan yon entite ki separe de l'om. E wapre sou li tout teksas, depi nan verse 1 nan Ezekiel 18 la, wapre son kesyon peche ki apre. Ti sa kfe, e eh ben, bon die pou al di ansanman vek profet Ezekiel, e eh ben, tout moun apatreni ansanman vek li men. Le el di amenan, separe yon entite ki kapap viv separeman de ou men, men se ou men man swa. Amenan teksa reprezenti Représenté au monde. Sous verset 4, là, au cas où du mal pour comprendre. Mais là, il y qui dit L'âme qui pèche c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ok C'est-à-dire, son question de péché. La justice du juste sera chez lui, et la méchanceté du méchant sera chez lui. C'est-à-dire, le monde qui pêche, c'est le même cap pour « Ok Nan matri chapitre 10 anko, verset 28, li di, se pou nou pa bezin pe sa ki kapap tue kowa, men ki pa kapap tue nanm nan. Krenye plito, sa ki kapap fe peri lanm nan, epi kowa dan lan jiren. Ki sa sa ap leti? Lan nan tek sa, si nou byen ou tek sa, nan pou sa, se l'espirans. Lan dan se tek se l'espirans de lan vi eternel. Yon moun ka toujou, tu yo pans kou gen konesans, men lè tu yo li pa ka pou konesans la yo moun kapap toujou tu yo paske wap vi fide lanseman avik bon die esperans ki ou gen nan ou wa moun nan pa ka tuye li ka tuye kwa men pa ka tuye esperans ki gen se sak fe nan mati chapitou 10 verset 28 la nou kapap wè e l amenan ishi dan se teks li gen sens e l esperans okay? la vi yumen nan, nan moun peche sa li fragil Il est transitoire. Esaïe 40, verset 1 à 8, montre-nous ça. Pas de rien qui était infecté par le péché par nature qui est éternel. Tout ça qui est dans le monde, qui est péché infecté, l'immortel. Eh ben, li c'est peut-être ça, la Bible déclare dans Romains, chapitre 5, verset 12 c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ebe nou e noue, la mò, se konsekans natsyrel du peche ki afekte tout moun ka vivi si ba. Ou e ki afekte tout vi kelte zanimou, kelte moun, kelte plantiyou. Nou gen de konsep biblik impotant ki pale sou suje sa. Premier se ke l'om e le zanimou yo tout yo gen par a la mò. Même Jean, Salomon déclarait dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 19 et 20, qui Saint Salomon dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils sont tous un, un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout va dans un même lieu. tout a ete fè de la poussière et tout ritoun a la poussière. Ok? Se da zi nou el la, Salomo montre nou, eh bien, kèl te moun, kèl te zanimo, nou tout nou sujè a la mò. Et dézièm konsept la, se ke, la mò fizik d'un person ki sa l'implike, se la sesasyon de son eksistens an tan kam vivant. Se da zi, lò moui ou sispan eksistè. Dans Genèse 2 verset 16 et 17 Dieu t'a avéti avec Adam et Ève que si au si péché un jour il t'arrive à manger l'âme de la connaissance du bien et du mal La qui a C'est-à-dire l'eau ou mourir c'est que ne si pas existé en tant en tant qu'âme vivante en tant qu'être vivant Eh bien, il fait écho avec avertissement ça le Seigneur l'y renforcer Eh bien, pon sa dan Ezekiel chapitre 18 verset 4 e 20 pou di l'am ki pech se sel ki moua. Deklarasyon sa ligin, de implikasyon presipal. Premier seke pwiske tout moun peche, e eh ben nou tout nan privole nan vieyi e pi nan moui. Yo lot implikasyon kwa seke konsep biblik la, li ren nul nosyon popiler din supose imortalité naturelle de l'âme. C'est-à-dire, la noue bibla a fèkè son imortalité de l'âme nan, sa pa egzistè. Da yè lò di, âme vivante, noue li fèk référense avèk yon moun e nou tout nou sujè a la mò. Si noum nou jò di l'alité imortal e egzistè vivante nou, nou lòt waryom apè la mò, alò, nou nou moun pa vwèman apè tou. N'est-ce pas Si c'est comme ça, si nous non, vivons de l'autre côté, ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre. En revanche, la solution biblique au dilemme de la mort, ce n'est pas une âme sans corps qui déplace dans le paradis ou bien quelqu'un qui dans purgatoire ou même dans l'enfer. La solution, en effet, c'est la réjection finale de ceux si qui étaient morts dans le Christ. C'est ça la solution. L'homme est en Jésus. Au retour de Jésus, qui s'est passé, ou a ressuscité pour vivre éternellement. Comme Jésus était dit dans ses mots et ben, sur le pain de vie, il dit Quiconque voit le Fils et croit en lui, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, solution pour la mort, qui s'allait, c'est lorsque nous sommes avec nous, nous accrochons avec Jésus. Même les nous mourir au retour de Jésus, et ben, nous avons ressuscité pour nous allons vivre une éternité ensemble avec Jésus. Et bien, nous, ouais, question l'âme qui peut, c'est celle qui mourra. L'âme qui a parlé là, c'est pas l'entité entité qui sépare de l'homme, mais c'est l'homme en soi. Monde qui c'est le contexte du texte, monde qui c'est lui-même qui a mouru. Pour qui ça La certitude de la seconde venue du Christ qui est assurée par première venue lui crucial et pour tout monde pou tout sa ke nou kwe. E ki espoa nou tab ta genye, san promes retou jesuyan. Pabliye zanmim jodi ya nou tabwe ansam, lam ki pech se sel ki mouwa. Pabliye, kozenam nan, se pa an entite ki separe de lom, men nan tekst Ezekiel la los ke li di, lam ki pech se sel ki mouwa, sa vle di, sou peche, se pa mamon ka pout peche apou. Sou peche, se pa papa ou. Ce n'est pas petit tout, ce n'est pas un poisson. Le monde qui pêche, c'est lui-même qui a payé pour pécher. C'est-à-dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Eh bien, l'âme, ça, c'est pas une entité qui séparée de l'homme. Mais l'âme, ça, c'est pas l'âme, c'est ou même Leur péché, c'est vous-même qui a payé prix pour pécher qui offert. Eh bien, c'était une portion d'études qui est d'après ensemble, je dis qui c'est lundi 10 octobre. Bien avant nous aller, on nous prie, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole nos intelligence, nos puissances, nos capacités, pour nous comprendre et pour nous appliquer par dans la vie. Et que ça, chaque jour, nous sommes capables de venir de meilleurs serviteurs. Bénis-nous, sauve nous, qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen. Deuxième, je de très bonne journée, bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.